ancora là. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this, but this is before it propagates all around the world. Oh, yeah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Way too late. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la Gorel TV, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fuladou et ailleurs. Aujourd'hui, votre émission Info Corona a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Diko Ribalde, enseignant de profession, conseiller dans la commune de Kandia et responsable politique de la mouvance de Maître Alusso dans la même commune Kandia. Bonjour M. Balde. Bonjour Haruna. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci Haruna, c'est à moi de vous remercier. Mais permettez-moi d'abord de souhaiter, avec le mois de Ramadan, là, oui, bonne et heureuse année, mm-hmm, pour la Oumma islamique, et plus particulièrement pour ceux du Sénégal. D'accord. Oui. D'accord. Alors, M. Balde, aujourd'hui, notre pays enregistre 75 personnes affectées du Covid-19 de plus, dont 18 décès. Alors, le bilan semble être inquiétant. Vous, quel est votre mot là-dessus? Bon, je pense que, Haruna, c'est inquiétant. Oui. Cette pandémie commence à vraiment dépasser les esprits. Oui. Parce que, quoi qu'on dise, quand même, moi, je pense que les gens doivent respecter le ministère de la Santé. D'accord. Moi, je pense que c'est l'essentiel. Oui. Uh-huh. D'accord. Alors vous, est-ce qu'aujourd'hui, connaissant notre département Velengara qui se situe dans une zone frontalière de 3 pays, alors quelles sont les solutions adéquates qu'on doit mettre en place pour parer à la propagation du virus? Vous l'avez si bien dit, Velengara, c'est un département frontalier avec 3 pays, la Guinée-Bissau, la Gambie et la Guinée-Conakry. Donc je pense qu'actuellement, les autorités ont pris des mesures pour vraiment un peu barrer les frontières. Oui. Mais ça ne peut pas suffire. D'accord. Il faut quand même que chaque village, oui, forme son comité de vigilance. De vigilance, oui. Et si nous le faisons, je pense que ce qui s'est passé, oui, est passé, mais je pense qu'on va quand même, d'accord, freiner la propagation du virus. D'accord. Parce que tout en fermant les frontières, oui, et au niveau des villages aussi, d'accord, et que la population, oui, s'engage vraiment à être très vigilant, d'accord, former des comités de vigilance pour aider la sécurité. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, oui, on ne peut pas prendre dans chaque lieu qu'il y ait un gendarme ou un policier. Oui. C'est insuffisant. C'est les villageois même qui doivent se lever, former leur comité. Chaque village, oui, prend une décision ferme, oui, parce que cette maladie-là n'épargne personne. D'accord. N'épargne pas un marabout. Oui. Un fonctionnaire, un richard ou un pauvre. Oui. La maladie est là pour tout le monde. D'accord. Donc c'est tout le monde qui doit se lever quand même faire face à cette fléau, d'accord, qui est en train de faire un ravage dans ce monde-là. D'accord. Et justement, comme vous venez de le dire, la maladie n'épargne personne. Aujourd'hui, c'est nous, dans le Fuladou, on entend les gens dire qu'ils ne croient pas à l'existence de cette pandémie-là. Alors vous, quelle est la réponse que vous apportez à ces gens qui sont toujours réticents par rapport à cette maladie? Non, je pense que c'est des gens qui n'ont pas quand même réfléchi, oui, ou je pense qu'ils ne suivent pas les informations. D'accord. Vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, nous venons d'enregistrer, oui, 79 cas, oui, 75 cas, nouveaux cas, oui, positifs. Oui. Donc c'est inquiétant. Oui. Si tu regardes, si chaque jour, nous, on enregistre 50 ou 60 ou 75 cas, oui, et ils sont en train d'entendre aussi en même temps des décès. Ça veut, oui, dire que c'est réel. Oui. Donc aujourd'hui, ça, et ils ont vu qu'on a fermé des écoles, oui, on a fermé des mosquées. Okay. Ça veut dire que c'est une réalité. D'accord. Donc on ne doit pas se poser cette question à savoir est-ce que la maladie là existe. D'accord. Donc vraiment, je pense que c'est inquiétant, Arun. D'accord. Et vous, dans votre maison, comment vous gérez la famille, les enfants, pour respecter les mesures qui ont été édictées par les autorités? La maison, d'abord, ce qui m'a empêché d'aller au boulot, d'accord, empêché mes enfants d'aller à l'école, oui, ça veut dire que c'est une affaire très sérieuse. D'accord. Et j'ai, à la maison d'abord,
à l'entrée de la porte de la maison, il y a un sol pour le lavage des mains. Quand une personne étrangère entre, même si je ne suis pas là-bas, dès qu'elle entre, elle verra un seau du savon devant la porte de la maison. Si tu veux dépasser ça, on va te dire, va te laver les mains. Donc nous, on se lave les mains régulièrement. Et à la maison, les enfants ne sortiront pas, même pour aller à la boutique, il faut qu'ils portent des masques. D'accord. Alors, acteur politique, vous êtes conseiller dans la commune de Kandia. Alors vous, depuis que le président de la République a appelé à l'élan de solidarité, vous, quelle est votre partition dans la commune de Kandia? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Bon, moi, en tant que conseiller, oui. Parce que Aruna, au niveau de Kandia, oui. Cette pandémie dépasse le cadre politique. D'accord. C'est quand même un cadre humanitaire. Nous, au niveau de Kandia, oui. Nous travaillons en synergie avec le maire. Le maire avait appelé une réunion pour toutes les forces communales. On se concerte tout le temps, le maire pratiquement, oui. Pour dire vrai, oui. Il collabore avec tout le conseil municipal. D'accord. À chaque fois que nous devions faire quelque chose, oui. Comme il ne peut pas avoir appelé une réunion, oui. Mais quand même on se communique, on sait comment ça se passe. D'accord. Pour la commune de Kandia. Oui. Et les efforts qui sont en train d'être faits sont faits, oui. De manière globale. Oui. Avec tous les conseils. D'accord. D'accord. Et parlant de cela, vous, en tant que leader politique, qu'est-ce que vous avez apporté dans la commune de Kandia? Parce qu'on voit des ailes, des madars, de beaucoup de choses pour apporter à sa population. Est-ce que vous avez eu à le faire? Oui. J'ai discuté avec mon leader, oui. Maître Aliou Sow, oui. Le directeur de la SAPCO. Oui. Mais nous avons apporté notre passion, oui. Au niveau du comité départemental. D'accord. Je pense que les gens ont entendu que Aliou Sow a fait quelque chose, oui. Au niveau département. Oui. Maintenant, au niveau individuel, oui. Nous sommes en train de faire, comme moi je n'aime pas dire, oui. Parce que ce n'est pas aussi facile à dire. Mais quand même, beaucoup de personnes sont en train de recevoir des dons de Aliou Sow, oui. De manière secrète. Et que Aliou demande à de ne pas le dire, parce que quand même, tu ne peux pas aujourd'hui donner à quelqu'un quelque chose, demain tu vas dire ça dans la qui et pour dire aux gens que moi j'ai donné ça ou j'ai donné ça. Mais on n'entend pas la population d'en parler, c'est pas, si ce n'est pas encore arrivé ou bien c'est, comment ça se passe? Bon, pourtant c'est arrivé et peut-être, comme je vous l'avais si bien dit, oui. Parce que... Pas à Velenga, mais je parle de Kandia commune. Je parle de Kandia commune, il y a des populations qui sont en train de bénéficier du sucre, oui. Et du ça, riz. Ça c'est pour le ramadan ou bien... Pour le, bon, tu sais, quand on parle du sucre, du riz, oui. Ça, on peut parler de ramadan, d'accord. Mais aussi on peut parler du confinement. D'accord. Parce que quand tu confines des gens, oui. Il faut obligatoirement des mesures d'accompagnement. Oui. Donc quand tu donnes à quelqu'un du riz, oui. Ou bien du sucre, ou bien d'autres, oui. Comme le zèle, des masques, c'est dans le cadre de ce Covid-19. D'accord. Oui, mais ça se fait quand même, nous sommes en train de le faire. D'accord. La semaine passée seulement, je pense que j'ai eu à donner des masques, plus de 40 masques. À des gens, d'accord. De la commune de Kandia. D'accord. Alors, c'est important à le dire. Alors, vous, en temps de campagne politique, bon, on vous taxe de former des équipes pour faire des porte-à-porte, mais pourquoi pas dans cette période de guerre communautaire aussi, former des équipes pour faire des porte-à-porte pour sensibiliser nos parents qui ignorent l'existence réelle de cette maladie-là. Est-ce que vous avez eu à le faire? Donc, pourtant, c'est fait. Parce que lorsque, au début, oui. Le maire nous a appelé pour nous dire qu'il faut des sensibilisations. Oui. Comment il faut le faire? Oui. Comme c'est apolitique, nous nous sommes réunis, on a vu, oui. Le conseil local de la jeunesse. D'accord. Qui ont formé des équipes, oui. Et le maire a débloqué des moyens. Je pense qu'ils ont pratiquement fait beaucoup de villages, oui. Dans la commune, pour ne pas dire tous les villages de la commune. D'accord. Pour sensibiliser les gens, le lavage des mains, oui. Comment utiliser le gel, et comment porter les masques, et quand est-ce qu'il faut porter les masques, d'accord. Et quelles sont les distances entre les personnes actuellement, d'accord. Parce que le virus est, oui. Très contagieux. D'accord. Alors, parlant des moyens qui ont été débloqués par le maire, est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce que vous êtes impliqué au moment où on débourse l'argent? Parce que on sait que les comptes sont alimentés actuellement, puisque le président de la République, Macky Sall, même a fait un discours, a fait une sortie par rapport à cela. Est-ce que vous avez un regard dans tout cela, en tant qu'acteur politique et conseiller? Nous avons un regard par rapport à ça, mais oui. Ce n'est pas le moment de faire un contrôle. Actuellement, il y a un problème qui est là. Oui. Réglons ce problème-là.
et que quand nous sauvons la population, oui. c'est en ce moment, s'il doit y avoir un contrôle, oui. que les gens en ce moment vont revenir pour dire que mais, on avait débloqué tant, mais ce n'était pas arrivé. Ça... Mais ce que nous souhaitons actuellement, oui. que, qu'on n'entend pas dans la commune de Kandja, oui. qu'il y ait un seul cas. D'accord. Mm-hmm. Mais vous ne pensez pas que ça ne sera pas médecin après la mort? Non, ça ne dérangera pas. Parce qu'actuellement, Haruna, oui. si tu vois que le président a donné des instructions oui. au maire, oui. c'est parce qu'il sait que ça commence à dépasser les esprits. D'accord. Donc nous ne nous mettons pas là à contrôler oui. des gestions et que le danger est là, derrière. Oui, mais lui-même, il avait appelé l'opposition au niveau national pour une concertation. Mais est-ce que c'est le cas ici? Parce qu'on savait, d'autres, après la, juste la sortie, ils ont fait des discours disant que ce sont des alertes, on ne sait pas. Mais est-ce que c'est le cas ici à Kandja aussi? Bon, à Kandja aussi, moi, en tout cas, Haruna, moi, je dis que le maire est en train de collaborer. Oui. Je ne sais pas avec d'autres, mais moi, à chaque fois, nous sommes en train de parler de cette maladie-là. Oui. Comment s'en prendre? Comment il faudrait faire oui. pour que ça marche, qu'il n'y ait pas un seul cas, que ce soit dans les villages, que ce soit tout récemment, il y a la Vision Mondiale qui avait donné une dotation là, oui. en gel, en matériel, oui. et c'est, il avait appelé en tant que président représentant du CDS de Dubiou, oui. il m'avait appelé, contacté, appelé le président de Kandja et de Medina Mari, oui. nous sommes allés lui rencontrer à la préfecture, mm-hmm. et son matériel, il l'avait mis sur, à notre disposition, oui. et nous les avons déposés au niveau des postes de santé. D'accord. Donc c'est pour vous dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire pour la commune, oui. nous sommes informés. Alors, parlant des listes de bénéficiaires de l'aide alimentaire, puisque déjà ici à Velengara, il y a des polémiques qui tournent autour du maire disant qu'il y a des choix partisans. Est-ce que c'est le cas à Kandja? Est-ce que les maires sont en train de faire de manière politique en filigrane en quelque sorte? Non, bon, je ne peux pas généraliser, Haruna, oui. mais je pense que oui. il est trop difficile oui. de politiser ces listes-là, oui. étant donné que oui. Il y avait les bourses. Pratiquement, c'est les listes des bourses là qu'ils ont renvoyées oui. au niveau des communes. D'accord. Donc là, le maire, même s'il veut, par exemple, changer, oui. il est difficile de changer. Oui. Dans pratiquement dans chaque commune, oui. il y avait un quota qu'on avait ajouté. D'accord. Donc peut-être ce choix de ce quota-là oui. qui peut peut-être amener des polémiques. Des polémiques. Mais à Kandja, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Parce que lorsque ce quota-là est venu, oui. je pense, si je n'oublie pas, ça tournait autour de 170 comme ça. Oui. Mais lorsque ce quota-là est venu, le maire a appelé le conseil local de la jeunesse, qui est apolitique. D'accord. Oui. Ces jeunes-là se sont statués sur ça et ils ont divisé ça entre les villages oui. et qu'on a envoyé au niveau des chefs de village qui ont fait leur choix pour augmenter dans le quota du village. D'accord. Donc là, si vraiment, je ne pense pas que ça crée des problèmes à Kandja. Le maire Malidia avait dit que, voilà, lui, en dehors de ce que l'État va donner à la population, lui, il va s'engager à augmenter quelque chose, c'est pas, il va puiser ça des fonds de dotation. Est-ce que vous êtes au courant de combien il a puisé dans les fonds de dotation pour augmenter, pour aider la population de Kandja? Est-ce bon, que vous étiez concerté? Si. Nous sommes au courant de ce qu'il va puiser de la caisse. Oui. C'est-à-dire, c'est le montant exact que je n'en ai pas. Oui. Parce que je ne suis pas le gestionnaire. Oui. Et ce n'est pas encore fait. Oui. Mais ce qui est sûr, on devait acheter plus de 100 sacs de riz. Pour quand même, vous le savez, quand tu regardes le nombre actuellement de bénéficiaires, je pense que ça tourne autour de 1400 et quelques oui. ménages. Oui. Et si tu regardes la commune de Kandja, oui. regroupant 75 villages et 3 hameaux, oui. ça veut dire 78 villages, oui. c'est insignifiant. D'accord. Les 1400, quand même, c'est important, mais quand même, il y aura des ménages qui seront laissés en rade. Oui. Donc le maire nous a dit que, est-ce qu'il n'était pas nécessaire de prendre en charge oui. quelques ménages, oui. au moins pour soulager certains problèmes, parce qu'il y a des ménages laissés en rade, oui. c'est des ménages qu'on devait vraiment soutenir. D'accord. Et donc je pense que quand même, et je suis informé. Et vous ne pensez pas que ça sont des points de plus dans la communication du maire, puisque les gens vont dire que c'est monsieur le maire qui a fait, bon, c'est pas les fonds de dotation. Est-ce que ça ne sera pas vraiment une politique en filigrane? Vous savez, je pense que ceux qui diront oui. c'est le maire qui a fait, oui. c'est normal. Parce qu'actuellement, c'est le patron de la commune. D'accord. Mais tous ceux qui savent comment fonctionne oui. une commune, ils sauront que c'est l'argent de la mairie. D'accord. C'est pas l'argent du maire. D'accord. En tant que maire, c'est le patron qui coordonne les activités de la mairie. D'accord. Mais c'est pas son argent. Tout ce qu'il fait,
dans ça, oui. C'est, ça, c'est l'argent de la mairie, d'accord. La collectivité. D'accord. C'est pas son argent en tant que personne, d'accord, morale. Alors, vous demanderez un compte rendu après le Covid-19? Inch'Allah, ça se fera. En tant que conseiller. Inch'Allah, ça se fera nos réunions. Oui. Et ça, c'est obligatoirement, il faudrait qu'on pose ces questions-là, oui, pour édifier. Alors, tantôt vous m'a dosa, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, depuis le début de la pandémie, bon, les leaders bon, reviennent chez eux pour accompagner la population. On n'a pas vu mettre à l'usson, on n'a pas senti à Belengra. Quel est le problème? Certains peuvent le dire. Oui. Parce que moi, je l'ai une fois entendu. Hein. Oui. Quelqu'un m'a posé la question à savoir. Il a vu Aliou à Hambourg, oui, il l'a vu à Dakar, Dakar, en train de donner des cadeaux. Oui. Or, il est de Belengara, il est natif de Belengara. Oui. Pourquoi commencer ailleurs et laisser Belengara? Mais ces gens-là ignorent quoi, oui, la SAPCO, oui, la boîte qu'Aliou est en train de gérer. Oui. C'est peut-être c'est Aliou qui l'a amené jusqu'à ce qu'on appelle actuellement SAPCO Sénégal. Mais ce n'était pas SAPCO Sénégal. Peut-être si on parlait de SAPCO, oui, on parlait de SAP Sali, de Mbour, ou bien Cap Sucrine de Gienso, oui, parce que c'est là où il y avait le tourisme. Maintenant, aujourd'hui, tu ne peux pas être dans une boîte, oui, et qu'il y ait vraiment des problèmes. Tu laisses cette boîte-là, tu vas aller là où tu es né, oui, pour dire que je vais d'abord soutenir ces gens-là et laisser là où je travaille. Oui. Aliou n'a jamais oublier Belengara. Si aujourd'hui tu fais le calcul, oui, des recrutés, oui, aujourd'hui par département, ce qu'il a recruté à Belengara, est-ce qu'il a recruté ailleurs? Mais quand même, quand il y a un problème. Mais ça, c'est un devoir de terroir en tant que natif du département. Je pense que ça, c'est son devoir ultime en question. Ouais, nous le remercions de passage, oui, mais on sait que c'est son devoir qu'il a fait. Oui. Mais aussi, il faut que les gens comprennent que, oui, quand il y a pandémie de ce genre, mais il ne peut pas aussi oublier là où il travaille. D'ailleurs, c'est bien avant la pandémie. C'est après juste les élections, il a disparu d'après ce que les gens disent dans Belengara. Non. Là, vous êtes témoin non, de cela. Non, après les élections. Il est revenu à Belengara. Aliou, il a organisé un grand forum ici au niveau de l'hôtel de Léoléval. Oui. Où, là où il a discuté avec les artisans, avec les groupements des femmes, oui, avec pratiquement les retraités, oui, pratiquement toute la population de Belengara. Une journée, il a pris une journée de 10h à 1h du matin. Oui. Il a discuté avec tout le monde et il a fait des promesses. Et ces promesses-là aussi, oui, il les a tenues. Oui. Parce qu'il avait dit aux retraités qu'il va occuper leur bureau. D'accord. Et il l'a fait. Les ouvriers, oui, ils avaient dit qu'il va les aider à du matériel. Oui. Il l'a fait. Maintenant, pour les femmes, les groupements des femmes, oui, il les avait promis de constituer des GIE. D'accord. Actuellement, oui, la majeure partie de ces groupements-là, leur respice est sorti et les autres sont en voie de sortir. Donc, je pense que c'est important. D'accord. Ceux qui parlent de Aliou, mais Aliou n'aime pas trop parler. D'accord. Aliou, il agit directement. Je te dis, dans le mois-là, oui, tu sais, je vous ai dit que Aliou a fait une participation au niveau du comité départemental. Oui. Hein? Oui. Et je pense que quand même, il y a des gens qui l'ont entendu. Oui. Mais au niveau du département, aujourd'hui, ce que Aliou a fait auprès de la population, il a refusé que les gens en parlent, oui, parce qu'il dit que lui, il ne fait pas une politique politicien. D'accord. C'est-à-dire que les gens disent que, oui, Aliou a fait, il n'aime pas ça. Beaucoup de personnes, si aujourd'hui il y avait une antenne à ouvrir, oui, beaucoup de personnes allaient appeler pour dire que Aliou m'a donné un sac de riz, un sac de sucre ou de l'huile. Donc c'est important. D'accord. La politique, c'est pas seulement parler pour que les gens sachent ce que tu es en train de faire. D'accord. Donc c'est important. Oui, c'est important. Oui. Mais aussi, c'est important aussi que les acteurs politiques reviennent en ces moments de détresse, en ces moments de psychose, qu'ils reviennent dans leur localité respective pour assister leur population, que ce soit à l'USO, que ce soit les autres. Je pense que c'est nécessaire en quelque sorte. Si, vous savez, assister à deux façons. Oui. Même si je suis politicien, je vais tous les jours à Kanya, mais je ne rends pas service. Ça n'a pas d'importance. Aliou, même à distance. Mais ça a une importance sociale. Non, ça a une importance sociale. Je ne refuse pas. Oui. Mais pourtant, il le fait, même si c'est par 2 mois ou 3 mois, oui, il ne dure pas. Son calendrier ne lui permet pas, peut-être, d'accord, de trop bouger. Parce que quand vous parlez de tourisme, c'est, vous savez que c'est un secteur vraiment qui ne reste pas tranquille. D'accord. Les gens bougent trop. D'accord. Monsieur Balde, vous êtes enseignant de profession. Parlant de l'éducation aussi aujourd'hui qui fait débat au niveau national, est-ce que c'est possible de rouvrir les écoles le 2 juin? Bon, Aruna, ça c'est inquiétant. Parce que moi j'ai fait mon calcul personnel. Oui. Je me suis dit que
avec ce virus qui, la contamination est tellement rapide, dire qu'on va ouvrir les écoles le 2 et que le virus est toujours là, le nombre de cas augmente du jour au lendemain, c'est inquiétant. Moi, je ne sais pas quelles mesures le gouvernement va prendre. Parce qu'une fois, j'ai entendu quelqu'un dire qu'ils ont demandé au niveau avant le 2 de faire des tests à tous les enseignants. D'accord. Et je me demande, et les élèves? Et maintenant, si c'est pour le COVID-19, oui. Pour le COVID-19, voir est-ce que d'accord. ces enseignants-là oui. n'ont pas le virus ou bien ne sont pas positifs positif, avant d'aller dans les classes. Positif aujourd'hui, oui. va en classe. Oui. Demain, il rentre, il va chez lui. Oui. Est-ce que après demain, en rentrant à l'école, oui. il n'est pas encore atteint par le virus, étant donné que le virus se propage partout? Certainement. Oui. Et donc, les élèves dans tout cela, vous êtes parents d'élèves aussi. Est-ce que vous laisserez vos enfants d'aller à l'école dans ce risque-là? Bon, pour le moment, je n'ai pas réfléchi, mais c'est inquiétant. Oui. Aujourd'hui, mes enfants, même s'ils sortent de la maison, je ne suis pas tranquille. D'accord. En forte raison qu'on me dise que mes enfants sortent de ma maison pour aller à l'école rencontrer plus de 1000 élèves. D'accord. C'est inquiétant, Aruna. D'accord. Moi, je pense qu'on doit revoir encore et prions oui. à ce qu'avec ce mois béni du Ramadan, qu'il y ait quand même un truc, oui. et ça va freiner oui. le virus. C'est important de dire aux enfants, oui. allez-y à l'école. Étant donné que depuis avant les Pâques, déjà nous avons raté et les cours. Donc d'accord. vraiment, d'accord. luttons pour vraiment barrer ce... D'accord. Bon, on voit qu'il y a des cours qui se dispensent à travers les télévisions. Vous, peut-être vos enfants ont de la chance parce que vous êtes enseignant de profession, mais est-ce que le monde rural aura cette chance-là de suivre les cours à travers les télés, même à travers les radios? Est-ce que ce n'est pas une discrimination aussi? Non, ça c'est... Je ne dis pas le mot discrimination, c'est un peu fort pour moi. Oui. Étant donné que même en ville, oui. il y a des gens qui n'ont pas ces moyens-là. Oui. Mais moi, je ne partage pas l'idée de donner les cours oui. par téléphone ou télévision. Oui. Je ne partage pas. Parce qu'il y aura quand même la majeure partie des élèves oui. qui seront laissés en rade. Donc, ce n'est pas important. Oui. Ce n'est pas là où le problème. Moi, aujourd'hui, oui. si on ne voulait pas qu'il y ait année blanche, oui. peut-être c'est se rabattre sur le programme déjà étudié. Étudier, et revoir comment il faudrait évaluer les élèves par rapport à ça. D'accord. Peut-être le programme à venir et continuer, étant donné que c'est Dieu qui a voulu ça comme ça, étant donné que partout dans ce monde-là, oui. le système actuellement est bafouillé. Ouais. Donc, mais je ne partage pas, franchement. D'accord. Vous êtes surveillant dans le CM de Kanya. Est-ce que, comment se passent les choses? Est-ce que vous avez eu à faire les premières compositions ou bien... Qu'est-ce que vous envisagez de comptabiliser une seule composition pour faire le bilan annuel pour les élèves qui pourront passer à la classe supérieure ou bien, comment bon, ça va se pour passer? Le CM de Kanya, oui. nous avions eu à faire le premier semestre. D'accord. Mais on a même tiré les bulletins. Oui. La semaine où on devait distribuer les bulletins, oui. il y a eu ce programme oui. du chef de l'État oui. qui a décrété. D'accord. Donc depuis lors, nous tenons les bulletins pour ça, on n'a pas les élèves. D'accord. Et sinon, je ne pense pas oui. qu'il y aura... Bon, c'est difficile de se prononcer oui. par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, oui. le premier semestre a été déjà fait et les bulletins sont disponibles. Disponibles. Mmh. D'accord. Alors, toute autre chose, vous êtes membre de l'APR, certainement. On a vu que depuis un certain moment, le président de la République Macky Sall a été mandaté par ses pairs pour défendre l'annulation de la dette africaine au niveau international. Et en même temps aussi, il se bat pour lutter contre le COVID-19 dans son pays. Est-ce que ce n'est pas une double charge pour le président, mais, ou bien un fardeau pour le président? Le président de la République Macky Sall, oui. c'est un combat noble qu'il est en train de mener. Oui. Et comme vous le savez, en Afrique, la majeure partie des pays, pour ne pas dire tout le monde, oui. il faut qu'ils s'endettent pour pouvoir régler beaucoup de problèmes oui. des populations. Mais si aujourd'hui, s'il s'ajoute le COVID-19, donc c'est autre chose. Oui. Parce que le COVID-19, tu ne peux pas dire aux gens, restez chez vous et ne pas envoyer des mesures d'accompagnement. Oui. Donc en ça, tu penses aussi à la dette que tu devais à la Banque mondiale, par exemple. Oui. Et si aujourd'hui, le président arrive à convaincre oui. les bailleurs qu'il y ait vraiment un truc de dettes, oui. je pense que ça soulage un peu les pays, même si quand même, avec cette maladie, oui. cette pandémie, oui. il est difficile, franchement, d'être à jour. D'accord, mais est-ce qu'il ne devrait pas laisser la place aux autres, puisque son pays est frappé en plein fouet par le COVID-19? Est-ce que aussi
c'est pas se faire voir de trop quoi, non, à l'échelle internationale. Tu sais, quand tu as un problème, oui, avant de réfléchir, d'abord tu cherches tes solutions, les solutions, tes solutions, tes propres solutions. Mm-hmm. Parce que lui, aujourd'hui, ce qu'il pensait, il n'a même pas calculé, oui, d'autres pays. D'accord. Selon ma compréhension, oui, mais il calcule d'abord la dette du Sénégal, plus ce que le Sénégal doit faire, oui, pour maintenir sa population dans les maisons. Oui. Il fallait qu'il agisse très rapidement. Maintenant, si les autres le trouvent dans ce truc-là, oui, c'est important. Mais je pense que ce qu'il a fait, c'est noble quand même. D'accord. Alors, un mot sur l'arrêté préfectoral du département de Valaara consistant à que chaque commune reste chez elle. Comment vous analysez cet arrêté? Les populations crient partout, disent non, que... Non, si, moi-même j'entends, et oui, les gens même nous posent des questions en tant que politique. Oui. Mais je pense que c'est un arrêté que le préfet devait prendre. D'accord. Compte tenu, oui, de ce qui nous est arrivé dans la zone de Midnagounas, oui, la frontière, oui, étant donné qu'aujourd'hui il était difficile pour moi, hein, oui, ça c'est ma pensée personnelle, oui, oui, il était trop difficile de dire que nous confinons seulement Midnagounas et laisser les autres communes. D'accord. Mais si on fait cet arrêté-là, oui, et que chaque commune reste chez lui, je pense que c'est exactement, la population doit comprendre que, oui, le préfet veut aider les gens, mais il n'est pas contre quelqu'un. Les communes, pour des raisons peut-être politiques ou bien des raisons par peur, est-ce que c'est pas de faire payer les pots que les autres n'ont pas cassé aussi? Non, c'est par des raisons inquiétantes. Peur. Oui. Parce que tu sais, aujourd'hui, oui, la propagation du virus est tellement rapide que, oui, quelqu'un peut être de Midnagounas et peut-être demain il était à Bonkonto ou à Kandja ou ailleurs. Oui. Mais si, une fois que tu es à Kandja, tu restes là-bas, oui, et qu'on essaye de canaliser à Kandja, à tel lieu, oui, il y a quelqu'un qui est affecté. D'accord. Maintenant, on essaye de confiner. Je pense que si on fait ça comme ça, oui, et on limite le mouvement, oui, comme on l'a si bien dit, restez chez vous, oui, et que chacun reste chez lui, oui, je pense que ça peut apporter. Et ensuite, comme je l'ai dit au début, oui, que chaque village doit être sa police. La police, oui. Quand il y a un étranger, immédiatement ils n'ont qu'à vraiment fait signaler. Et tel n'était pas le cas dans cette commune-là, puisque les mesures n'ont pas été respectées. Ça, qu'on soit clair sur là-dessus. C'est pour cela, d'ailleurs, bon, on ne le souhaite pas, mais c'est pour cela qu'il y a eu. Voilà. Quelle commune, par exemple, là? Midnagounas, dont vous avez parlé tout à l'heure. Bon, c'est compliqué. Se prononcer pour Midnagounas, c'est compliqué. Oui. Mais quand même, ça devait se faire comme ça. Oui. Étant donné, quand même, ils ont des élus. Comme nous le faisons ici à Kandja, nous allons dans les villages ont formé des comités de vigilance, vraiment pour aider. Dans ce sens-là, vous ne trouvez pas que la religion est au-dessus de la République? Je parle bien des autorités politiques. Vous savez, au Sénégal, il est un peu difficile de parler de religion, oui, parce que quand même, même au niveau national, oui, c'est compliqué. Parce que nous avons vu au départ, à Touba, ils ont eu des problèmes avec les services de sécurité. Sécurité, oui. Donc, c'est pourquoi il est un peu quand même difficile de me prononcer par rapport à ces religions. D'accord. Un mot sur les immigrés aujourd'hui aussi, vu que l'Espagne, la France, l'Italie, des pays qui ont été fortement frappés par le Covid-19. Et alors, nous, on sait que notre département a beaucoup d'immigrés. Un mot sur ces familles qui sont là, qui peinent à recevoir ce qu'ils devaient avoir en quelque sorte. Alors, ça, c'est un problème. Oui. Ça, franchement, quand tu es humain, il faut le savoir, il faut oser le dire. Oui. C'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, moi je connais des familles dans le Kandja où depuis presque un mois et demi, deux mois, oui, leurs parents ne peuvent pas envoyer parce qu'ils sont confinés, ils ne peuvent pas sortir. Oui. Et certains, ils avaient un travail journalier où ils n'étaient pas embauchés. Oui. Donc quand c'est des travaux journaliers, tu vas le matin, oui, quand tu reçois, tu gagnes. Et puis et si tu es confiné, tu ne peux pas travailler. Oui. Donc ces familles-là sont là. C'est pourquoi le maire nous avait dit que, oui, on verra qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là. D'accord. Parce que c'est quand même impitoyable. Ici, tu n'as pas quelqu'un qui travaille, oui, et ailleurs, le gars qui travaille, oui, ne peut plus envoyer parce qu'il est confiné. D'accord. C'est compliqué. D'accord. Oui. Alors, un mot sur Gorel TV, peut-être la presse locale de Valaara par rapport à le rôle qu'elles sont en train de jouer dans cette période de guerre contre le Covid. Pour terminer, Arnaud, moi je pense que je commencerai d'abord par les acteurs de santé, oui, la gendarmerie, oui, et la presse locale. Oui. Aujourd'hui, le département de Valaara a de la chance, oui, parce que quoi qu'on dise, quand même, la presse qui est là, locale, oui, c'est une presse franchement engagée, oui, qui n'attend pas les moyens, qui se débrouille. Oui. Et c'est pourquoi je remercie Gorel TV, oui, et en leur souhaitant, oui,
une très grande chance. D'accord. Et que Dieu les aide à se propager davantage dans le pays. Ce n'est pas seulement dans le département, mais dans le pays. D'accord. Parce que c'est des gens qui sont en train de faire un travail très remarquable. Et je pense que c'est important, Aruna. D'accord. L'émission Info Corona tire à sa fin. Nous avions comme invité M. Digori Baldé, enseignant de profession, conseiller dans la commune de Kandia et responsable politique de la mouvance de Maître Ali Sow. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à un autre numéro de Info Corona. Pour vaincre son combat, c'est possible. Moi et tout.